Et 20h, voici les titres de l'actualité de ce samedi 16 septembre. À la une ce soir, la fumée blanche s'est dégagée à la commission paritaire gouvernement syndicat au terme de 5 jours des travaux. Les partis s'en sortent avec des recommandations qui rencontrent l'assentiment de tous. Défi du développement, le sommet du groupe de 77 y réfléchissait à la Havane à Cuba. La République démocratique du Congo a donné de la voix par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, au milieu de plus de la moitié des pays de la planète. Qui es-tu? Une question identitaire que chacun devait répondre se rattachant à une patrie. Le monde célèbre la journée internationale de l'identification autant que la République démocratique du Congo par l'Office national de l'identification de la population. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par ce pacte social qui vient d'être scellé entre le gouvernement et le banc syndical de l'administration publique. La nouvelle grille barémique et la mécanisation de 50 000 agents au quatrième trimestre font partie des recommandations formulées au terme des 5 jours des travaux de la commission paritaire qui s'est clôturée hier tard dans la soirée sur une note satisfaisante sous la houlette du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Nadine Kilosho et Moké Maluma. Bonne nouvelle pour les agents publics de l'État. Le gouvernement de la République s'engage à assurer l'application intégrale du décret du Premier ministre fixant la grille barémique au quatrième trimestre de cette année en cours, tout en intégrant les frais d'indemnité de transport et la mécanisation des 50 000 agents pour des raisons d'inclusion salariale au quatrième trimestre 2023. C'est parmi des résolutions sanctionnant les travaux de la commission paritaire, gouvernement, banc de l'intersyndicale nationale de l'administration publique qui se sont clôturées le samedi 16 septembre 2023. À 2h du matin par la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. En 2 ans et demi, beaucoup a été fait. Suivant les orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère qu'il n'y aura point de décollage de ces grands Congos sans une administration publique digne de ce nom qui soit au rendez-vous de l'efficacité, de l'efficience et des résultats. Ce compromis obtenu dans le cadre du dialogue social a pour but de répondre aux revendications légitimes des agents de carrière des services publics de l'État. Merci au chef de l'État, merci au Premier ministre, merci à tous les membres du gouvernement. Ouvert par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et piloté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, les travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'UNA ont donné un nouveau départ pour la bonne marche de l'administration publique. Quittons Kinshasa pour la Havane où s'est tenu pendant 2 jours le sommet de G77. Les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ont débattu sur les défis au développement. La République démocratique du Congo, par l'entremise du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a participé à ces travaux qui a rassemblé 134 pays. Doris Mozo nous en parle. La cérémonie d'inauguration a été présidée par Miguel Díaz-Canel, président cubain et président en exercice du G77. Les effets négatifs générés par l'ordre économique international exacerbé par la pandémie du Covid ont atteint des niveaux alarmants. Un revers majeur dans les avancées discrètes en matière de développement. Un progrès scientifique et technologique est la clé pour parvenir au développement durable. C'est dans ces contextes que le G77 et la Chine se mettent ensemble pour faire avancer les aspirations du peuple. Le sommet de Havane a encouragé les débats et fait l'analyse sur les principaux défis. Le sommet a également approuvé une déclaration dans un texte qui devrait être préalablement négocié par le groupe 77 à New York. La République démocratique du Congo a pris part active à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena Pala, représentant personnel du chef de l'État. Pour la République démocratique du Congo, son président, son excellence, Christophe la dénonciation du mal et la culpabilisation des auteurs et des malheurs sont certes nécessaires pour une sorte de psychothérapie collective et l'éveil de conscience du peuple.
la République démocratique du Congo fera entendre sa voix partout où les États se réuniront. À New York, aux États-Unis, au siège international de l'UNICEF, la ministre du Plan, Judith Suminois, a au cours d'un panel d'expérience partagé les stratégies mises en place par le gouvernement pour atteindre l'augmentation du taux d'enregistrement des enfants de moins de 5 ans, plus de 15% par rapport à 2013. La ministre d'État, ministre du Plan, a également présenté la mesure incitative de l'enregistrement gratuit des nouveau-nés 90 jours après leur naissance. Nos envoyés spéciaux, Françoise Bouela et Pompon, on va nous en parler. En termes d'enregistrement des enfants à l'état civil, la RDC a fait un bond qualitatif. En 5 ans, la barre de 60% a été atteinte. Des progrès significatifs partagés par la ministre d'État, ministre du Plan, au cours de Society 20, organisé en marge du sommet sur les ODD à New York. La première innovation, c'est déjà au niveau juridique, avec le code de la famille, qui permet un enregistrement gratuit dans les 90 jours. Aujourd'hui, avec le PDL 145 territoire, qui construit des centres de santé, des bâtiments administratifs, où il va y avoir des autorités de l'état civil au niveau de chaque territoire, je pense qu'on est dans un processus pour rapprocher la population des instances qui vont permettre justement de faciliter cet enregistrement. Aux côtés du Nigeria, du Pakistan, de l'Éthiopie, du Bangladesh, la RDC a emballé l'assistance sur ces innovations mises en place pour réaliser l'ODD 16.9. Judith Suminois Toluka a aussi évoqué les défis et le succès de la collaboration entre services. Les échanges beaucoup plus approfondis ont eu lieu au cours de cette séance de travail avec le staff de l'UNICEF. Les pas franchis par la RDC ont été salués. Ça nous permet de voir que la RDC avance dans les modèles, dans l'interopérabilité des différents avec la santé. Grâce à ça, nous pensons que la RDC pourrait atteindre l'objectif de développement 16.9. Selon les dernières projections statistiques, si la RDC parvient à maintenir ce rythme de croissance observé, dans les 7 prochaines années, le pays sera en mesure de réaliser l'ODD 16.9. Revenons au pays où il est plus qu'important que les Congolais aient leur carte d'identification nationale. Ces propos sont de M. Stanislas Kenza, directeur général intérimaire de l'Office national d'identification de la population, ONIP en sigle, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'identification placée sous le thème « Tout le monde mérite une identité, l'identité mérite une journée ». Anita Luambois. Identification légale pour tous, l'un des objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030 par toutes les nations, et cela grâce à l'enregistrement des naissances. Actuellement, plus d'un milliard de personnes vivent à travers le monde sans aucune forme d'identité officielle. En République démocratique du Congo, les chiffres sont alarmants. Plus de 100 millions des Congolais ne possèdent pas d'identité légale depuis le dernier recensement qui remonte à plus de 4 décennies. À ce jour, plus d'un milliard de personnes dans le monde, dont environ 100 millions de Congolais ne possèdent pas d'identité légale et le dernier recensement national remonte à 4 décennies. Pour pallier cette carence et conformément à la vision du président de la République, l'ONIP a octroyé le 30 juin 2023, cette année alors, la toute première carte d'identité nationale, 40 ans après, au premier citoyen congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus différents. Pour les Nations Unies, cette journée particulière démontre le rôle important et fondamental de l'identité basée sur l'inclusion, la protection et l'utilité, d'où la nécessité pour les Congolais d'obtenir une carte d'identité. Présentement, l'ONIP est en plein processus pour procéder à l'identification de tous les Congolais et à la délivrance de la carte d'identité nationale, motif de fierté nationale. L'identité légale donne la possibilité aux citoyens du monde d'exercer leurs droits, d'accéder aux services fondamentaux et de remplir, enfin, leurs devoirs civiques. Parlons de l'or. Eh bien, cette substance précieuse a fait l'objet d'un forum régional sur la stratégie Sergel de son exploitation artisanale et à petite échelle qui a fermé ses portes hier à Kinshasa. Après avoir clôturé ses travaux en présence de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay a également ouvert la réunion des secrétaires permanents des États membres de la Sergel consacrée à l'exploitation illégale des minerais. Eugénie Chabani.
Les États membres de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, dont la RDC, sont soit producteurs de l'or ou soit pays de transit pour le commerce de l'or. Ils sont pour la plupart théâtre des conflits armés perpétrés par les groupes armés qui ont pour source de financement l'exploitation illicite de l'or. Le forum régional de la CIRGEL sur la mise en œuvre de la stratégie CIRGEL pour l'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or, clôturé par la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambay, a pris 6 résolutions. Les recommandations formulées nous permettront de mettre en place une stratégie régionale efficace ou bien encadrer l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle qui constitue à ce jour un réel défi. La République démocratique du Congo est pratiquement le seul pays qui a implémenté les 6 outils du mécanisme régional du pays du Grand Lac, de certification. Nous demandons vraiment que tous les autres pays membres de la CIRGEL puissent nous imiter dans l'implémentation afin que tous nous puissions regarder dans la même direction et élaguer l'exploitation illicite. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies a réitéré le soutien des Nations Unies à cette démarche de mettre fin aux flux financiers des groupes armés par l'exploitation illicite de l'or. C'est l'une des solutions durables à la lutte contre le commerce illicite de l'or par les groupes armés et la pacification de la sous-région. Par la suite, la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, a ouvert la réunion des secrétaires permanents des États membres de la CIRGEL pour lutter contre l'exploitation illicite des minerais en RDC. Ces assises se sont clôturées par une conférence de presse. Encore de l'or, des séances d'information et de sensibilisation se poursuivent en prélude des journées nationales de ce métal précieux qui se tiendront du 24 au 25 octobre prochain. Le président du comité d'organisation de ces assises, dénommé Wolo, s'est rendu au siège de la FEC accompagné de la coordinatrice de la Chambre des Mines, Mireille Ndeke. Journée nationale de l'or dénommée Wolo, les préparatifs vont bon train. La Chambre de Mines de la FEC et le comité d'organisation de ces assises se serrent le coude pour la réussite de cette activité sous le parrainage de la présidence de la République, la coordinatrice de la Chambre de Mines, Bernadette Poundou, et les présidents du comité d'organisation Prince Nyampala ont initié une série de sessions d'information et de sensibilisation en l'intention de tous les acteurs faisant partie de l'écosystème de l'or. D'où cet entretien avec les représentants de certaines entreprises minières tenues à la FEC, entretien qui a permis de donner les généralités de cet événement. Aujourd'hui, ça nous a permis non seulement de donner les généralités de l'activité, c'est-à-dire 24 et 25 octobre prochain au Pullman Hotel avec des parties exposition, débat et réflexion, mais aussi technique. Et je remercie vraiment chacun de ceux qui sont venus et nous espérons qu'ils vont nous accompagner jusqu'au bout. La Chambre de Mines étant la porte d'entrée des assises au Wolo vers les sociétés minières, s'est dit prête à accompagner le comité d'organisation Wolo. On ne peut pas parler de l'or de la République démocratique du Congo sans que la Chambre de Mines puisse apporter sa voix. Nous avons eu quelques membres de la Chambre des Mines. Ici, je cite par exemple Kibali. Nous avons aussi reçu quelques membres de la présence de la République à travers le CPVS. Des assises au Wolo. Désormais, une messe de l'or chaque année en RDC pour décortiquer toutes les questions sensibles liées à l'or afin d'édifier les Congolais bénéficiaires majeurs de la richesse de la République démocratique du Congo. Les femmes, cette catégorie de la population, doit s'armer des compétences et des stratégies pour faire face à la campagne électorale qui s'annonce très rude. Eh bien, les femmes de l'Union sacrée de la Nation et de l'opposition sont à l'école de capacitation pour plus de chances de réussite aux prochaines élections. Edith Tchala. Ce déjeuner électoral, organisé en format formation par le panel des femmes politiques avec l'appui de l'ONG canadienne, journaliste pour les droits humains, a rassemblé les femmes candidates députées pour le compte de l'Union sacrée de l'opposition et a servi de cadre de renforcement des capacités en leadership politique des femmes et bonne pratique de mobilisation électorale pour la campagne réussie en stratégie solidaire de mobilisation de ressources pour et par les femmes candidates aux élections législatives provinciales et nationales et en communication politique et électorale. Ces femmes politiques du pouvoir et de l'opposition se sont engagés à agir en synergie avant, pendant et après les élections
pour s'assurer d'avoir une représentation suffisante à l'Assemblée nationale prochaine, afin de positionner une femme comme première ministre et chef du gouvernement issu de ce processus électoral. Je vous encourage donc aujourd'hui de montrer de quoi est-ce que vous êtes capable pendant que vous allez accéder à ces postes de prise de décision. Ces femmes candidates députées nationales et provinciales ont plaidé pour échanger avec le président de la République autour de la nécessité de sécuriser les candidatures féminines et d'avoir une femme comme première ministre au prochain gouvernement. La demande des femmes congolaises aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'elles seront écoutées à la législature prochaine, qu'elles puissent obtenir au moins une femme première ministre dans ce pays. Mais pour y arriver, il faut la capacitation aujourd'hui afin qu'elles arrivent à se faire élire d'abord. Il faut dire que ce déjeuner électoral, organisé sous le leadership de l'ambassadeur Arthur Omar Kayumba, a été officiellement lancé par le ministère du Genre, Famille et Enfants. Et justement, pour minimiser les risques de violences post-électorales, l'évêque général Dodo Kamba, président de la plateforme des confessions religieuses et président national des églises de réveil du Congo, a échangé ce samedi avec la jeunesse congolaise au stade Tata Raphaël au cours d'un rassemblement de partage de louanges et d'adoration. L'homme de Dieu a rassuré la jeunesse sur la sérénité qui doit régner à travers le pays après les élections de décembre 2023. Serge Merlin Mata. Lors de ces grands rassemblements, les échanges ont été structurés autour du thème « Jeune et Limboya Mboka ». Dans un stade, Tata Raphaël, plein à craquer, l'évêque général Dodo Kamba, président de la plateforme des confessions religieuses et président national de l'église des rêves du Congo, a offert aux jeunes venus des quatre coins de la capitale quelques ingrédients indispensables, le leadership responsable pour un avenir meilleur, la RDC. Objectif affiché, permettre aux participants à cette rencontre citoyenne d'avoir une meilleure connaissance des techniques de prévention et d'atténuation des violences liées aux élections, ainsi que de l'amour de la patrie. Tout en condamnant les antivaleurs, l'évêque général de Dodo Kamba a exhorté la jeunesse congolaise dans toute sa diversité à prendre conscience de ses potentialités et responsabilités. Plusieurs leaders religieux, membres de la plateforme des confessions religieuses de la RDC, ont pris part à cette activité citoyenne. Par ailleurs, la sensibilisation des jeunes sur la prévention des conflits post-électoraux, la lutte contre les antivaleurs, la paix et leur engagement dans les processus électoraux va donc s'étendre dans les tout prochains jours à l'intérieur du pays. Et ce nouvel ouvrage qui vient d'enrichir nos bibliothèques, intitulé « Résolution des conflits écologiques en République démocratique du Congo, bilan et perspective », ce livre est en réalité un outil innovant dans le secteur écologique et la connaissance des magistrats dans le règlement des conflits liés justement à l'écologie. Son auteur, Dédoné Tarcisse Kanyama, premier avocat général près le Conseil d'État, poste préfacé par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamulita. Cet ouvrage a été porté sur le fonds baptismaux ce week-end. Cédric Kenina nous parle de son contenu. La République démocratique du Congo au cœur des enjeux climatiques à l'échelle mondiale. La nécessité d'un arsenal juridique pour soutenir la voix prépondérante de la RDC pays solution dans les débats contre le réchauffement de la planète est donc indispensable. La résolution des conflits écologiques en RDC, bilan et perspective. Et cet ouvrage dont l'auteur se trouve être le premier avocat général près les conseils d'État et conseiller principal en charge du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Tarcisse Kanyama. Un ouvrage qui se présente comme étant une invitation à repenser la façon de faire dans la gestion environnementale et propose des pistes claires sur l'instauration d'une vraie justice climatique. Il épingle l'une des causes essentielles de ces conflits qui est la divergence des intérêts entre ceux qui ne veulent utiliser la nature et ses ressources qu'à des seules fins capitalistiques, les exploitants miniers, forestiers, et ceux qui veulent que cette exploitation soit durable et surtout qu'elle rime avec la conservation de ses ressources. Au-delà des sujets liés à l'éducation
environnementale qui implique un apprentissage dès l'école primaire, l'ouvrage propose la création de chambres spéciales et parquets spéciaux pour la résolution des conflits liés à l'écologie. Par ailleurs, ce livre a été préfacé par le professeur Lagarde et post-préfacé par Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle. Une soixantaine de hauts magistrats ont prêté serment jeudi devant le président de la République. Vous le savez, parmi eux, ceux de la Cour de cassation. Eh bien, le président de cette juridiction, Ndomba Kabeya Eli Léon, met en exergue le travail en équipe pour relever la justice congolaise. Quel est le rôle de la Cour de cassation? Tentative de réponse avec Marie-Reine Ziba et Anita Luambois. La Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire congolais, aujourd'hui est chapeautée par le premier président, le professeur Ndomba Kabeya Eli Léon. Il a prêté serment le jeudi 14 septembre devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand ces dérives qui caractérisent actuellement la justice congolaise, le nouveau premier président de la Cour de cassation, Ndomba Kabeya Eli Léon, a insisté sur la discipline et la nécessité de rétablir la confiance entre la population et la justice. Après que le chef de l'État, le magistrat suprême, ait critiqué le fonctionnement de la justice, le peuple, n'étant pas content de la manière dont la justice est rendue dans notre pays, on m'appelle à ses responsabilités, relever l'appareil judiciaire, c'est un poids. Mais je crois qu'avec l'aide de Dieu, l'accompagnement du magistrat suprême qui veut que la justice élève la nation, ainsi que l'appui de toute la population congolaise, nous allons tenter d'apporter ce que nous pouvons pour relever la justice. Le premier président va travailler avec une équipe de plus de 200 hauts magistrats de la République, parmi lesquels 8 présidents et 21 conseillers. Ils ont prêté serment le même jour que le numéro 1 de la dite cour. Cette cour a la mission d'unifier et de contrôler l'interprétation des lois. En clair, cet organe judiciaire permet une application homogène de la loi et protège l'égalité de chacun devant la justice. Justice qui pourrait être mise en cause si et seulement si les différents juges tiraient des conséquences opposées d'un même texte juridique. Tout à fait autre chose à présent, l'exploitation des moellons caillasses dans le site de Kintsuka ne facilite pas l'avancement des travaux de construction des ouvrages du génie civil au poste haute tension de Kintsuka. Le pylône numéro 156 est menacé d'écroulement. Une mission de contrôle, suivi et évaluation des experts du gouvernement s'est rendue sur le site. Question d'en avoir le cœur net. Yvette Makuntima et Fiston Avingana. D'un côté, deux travaux qui touchent à leur fin et de l'autre, les pylônes numéro 156 de la SNEL SA qui menacent de s'écrouler. Une mission de contrôle est suivie afin d'évaluer les différentes réalisations des projets financés par le gouvernement dans les secteurs de l'énergie étaient à Kintsuka, où s'effectuent les travaux de construction du poste haute tension 220 kV de Kintsuka, exécuté par la société Shanghai Electric. Un poste appelé à recevoir l'énergie électrique produite par la centrale hydroélectrique de Zongo 2, pour Kinshasa. Mais fort est notre déception de constater que le pylône 156, qui est l'un des pylônes qui va transporter le courant de Zongo au poste, est sérieusement menacé par les travaux qui se font sur le site ici à travers l'exploitation des moellons et des caillasses. La construction des ouvrages du génie civil et des lignes de transport de l'énergie électrique, dont les travaux sont financés par Exim Bank of China, reste la dernière étape avant la mise en service du poste haute tension de Kintsuka. C'est des missions qu'on fait régulièrement dans le cadre des accords de rétrocession, des financements octroyés au gouvernement par Exim Bank. Et chaque année, conformément aux dispositions des accords de rétrocession, signé entre la SNEL et le gouvernement de la République. Une réunion technique et d'évaluation du financement qui a mis autour d'une table ces experts venus des ministères des Finances, Ressources hydrauliques et électricité et d'autres services étatiques tels que l'Office congolais de contrôle OCC dans le but de baliser une éventuelle descente au poste haute tension des Kintsuka. L'École nationale des finances vient d'être dotée d'une nouvelle salle d'apprentissage. Eh bien, cette salle est équipée d'un tableau Android avec la possibilité de former à distance un don de Huawei Technologies SRL. Rikin Zuzeloya Mayuel.
L'École nationale des finances, ENF, reste le centre de formation par excellence dans les domaines de douanes et accises, les finances publiques, budget, comptabilité, impôts directs et indirects, enfin les assurances. Cette école vient de bénéficier il y a peu d'une salle moderne construite sur financement du ministère des Finances sous la tutelle de Nicolas Kazadika Dimanzouji. Grâce à l'esprit managérial de son directeur général, Jean-Paul Niembo Tampakanya, l'ENF vient aujourd'hui d'acquérir un don de la société Huawei, représenté par son directeur général adjoint Zhang Bowen, dans le cadre du partenariat sur la modernisation de l'offre de formation. Nous allons faire l'apport à qui de drones, monsieur le ministre, qui lui va faire l'apport à ses chefs, le premier ministre, le président de la République, pour ses gestes que vous venez de poser. Il s'agit des tableaux Android, un écran géant, des ordinateurs et autres matériels pour les quatre bureaux sectoriels ainsi que la division des formations initiales. 100 sièges sont également installés dans la nouvelle salle qui devra, par ce nouveau dispositif, recevoir des enseignements à distance. Le tout rafraîchi par des splits et autres climatiseurs debout, de quoi faciliter l'apprentissage dans les meilleures conditions. La satisfaction est totale du staff dirigeant en passant par le rang de formateurs et le personnel administratif de l'ENF, motivé par cette acquisition. C'était le 15 septembre 1987, 36 ans déjà depuis que l'inspection générale de finances existe autour du chef de service Jules Alinguété. Tous les agents et cadres de cette institution des finances ont célébré avec faste ce 36e anniversaire. José Baïtouambo. À l'occasion de la célébration du 36e anniversaire de l'inspection générale de finances, le chef de service Jules Alinguété-Kay, accompagné de son adjoint Victor Batoubenga et des responsables de brigade, s'y sont pliés au jeu de questions-réponses, rétrospectives et perspectives passées en revue avec des représentants de médias. Plantant les décors, le shérif financier a commencé par rappeler les attributions de l'institution qu'il dirige avant de mettre en avant les performances réalisées depuis que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris les commandes du pays, à qui il a plus de confier sa responsabilité à Jules Alinguété, son chef de service, et Victor Batoubenga, son adjoint. Les antivaleurs y associés, lutte déclenchée dans notre pays il y a de cela 4 ans. J'aimerais que vous puissiez savoir qu'il n'est pas possible de faire parler d'un service de contrôle. Il n'est pas possible de lutter efficacement contre les antivaleurs dans la gestion publique à l'absence d'une volonté politique. Voilà pourquoi nous disons sincèrement un grand merci à notre chef de l'État pour avoir matérialisé la lutte contre la corruption et les détournements dans notre pays. À travers cette émission, la direction de l'UGF s'est employée à la lumière sur les préoccupations des journalistes curieux d'en savoir un peu plus sur plusieurs questions d'actualité liées à la gestion de finances publiques. L'autopsie de finances publiques faite Jules Alinguété-Kay est revenue sur le dossier de la faillite du Congo Airways qui fait débat ces jours-ci. La République démocratique du Congo et le groupe Shelter Afrique resserrent leurs liens de coopération. Ces deux parties représentées respectivement par le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, et le directeur général de ce groupe viennent de procéder à la signature d'un accord de partenariat. Cet accord conclu vise à appuyer la RDC dans la construction des logements sociaux dans plusieurs villes à travers le pays. Eric Kabamba. C'est un accord historique de collaboration qui rassure ces deux co-signataires. Voilà pourquoi le gouvernement congolais, représenté par son ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, et le directeur général du groupe Shelter Afrique, ont apposé leur signature au bas de ces documents. Cet accord conclu appelle à l'élaboration prochaine et vite d'une feuille de route qui va permettre à ces géants africains chargés de financer des projets d'habitat de prêter main forte à la RDC pour développer le secteur de l'urbanisme et habitat. Et la mission s'est couronnée d'un succès puisque nous avons réussi à sortir un protocole d'accord, une collaboration avec une feuille de route qui va nous permettre de déployer une stratégie de développement de l'habitat et de l'urbanisme
pour les populations de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État Pius Mabilou a promis de faire de la RDC un des 5 actionnaires de Shelter Afrique. Paris gagné pas pour moi, mais pour le président de la République qui a fait du développement urbain et du développement de l'habitat social et abordable est son challenge, un des challenges les plus importants dans sa gouvernance ou de sa gouvernance ou de son mandat. C'est pour ça que je suis très content et je l'en félicite parce qu'il m'a poussé le ministère pour qu'on arrive au jour d'aujourd'hui. C'est numéro 1 du groupe Shelter quitte les sols congolais après un séjour de 72 heures dans les sentiments d'une mission accomplie, surtout avec la signature de ses partenariats. 14 ans après, la SONAS se dote enfin d'un syndicat. L'élection des membres de cette délégation syndicale a eu lieu en début de cette semaine et s'est déroulée en toute transparence. C'est le résultat des efforts de l'actuel comité dirigeant de cette entreprise publique, Monique Mavungu. Ils étaient 18 au total, tous cadres à la Société nationale d'assurance à être installés comme délégués syndicaux. 14 ans se sont passés depuis la dernière élection syndicale à la SONAS. Les présentes élections sont le fruit d'un travail abattu par la nouvelle équipe dirigeante qui veut doter la SONAS d'un syndicat capable de défendre les intérêts des cadres et agents. Au nom du directeur général Clément Désiré Kabongo-Moba, le directeur Kapepula des services généraux a remercié le comité de gestion d'avoir contribué à la tenue de ces élections qui ont permis aux agents et cadres de la SONAS de choisir ceux qui vont porter leur voix auprès de l'employeur. Présent à cette cérémonie, l'inspecteur de travail Gédéon Bayo Mukimba, avant de prendre acte de l'entrée en fonction de la nouvelle équipe syndicale, a remercié l'employeur pour la tenue de ces scrutins qui s'est déroulé dans un climat apaisé et dans toute transparence. Aux nouveaux promus, l'inspecteur les a exhortés à être de bons interlocuteurs. Le syndicalisme n'est pas une diversité, mais plutôt un partenariat. Dans un contexte économique caractérisé par l'ouverture du marché des assurances, la nouvelle équipe syndicale se voit dans l'obligation d'encadrer et sensibiliser le personnel sur les enjeux liés à la survie de la SONAS. En politique à présent, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a tenu sa traditionnelle matinée scientifique. Et bien celle d'hier a été axée sur l'assurance qualité et les bonnes pratiques dans la société congolaise. Pour ces cadres de l'UDPS, sans la promotion des valeurs positives, les pays ne décollera jamais. Et Alain Bikaï. La question des valeurs positives et des bonnes pratiques dans la société congolaise se pose avec acuité. Très engagé dans la recherche des solutions aux problèmes de la société congolaise, le corps de l'élite scientifique de l'IDPS s'est penché sur cette question publique au cours de sa matinée scientifique du jeudi dernier. Dans son exposé, le professeur Marcel Miangandou de l'Université libre de Bruxelles, Erasme, est revenu sur l'assurance qualité et les bonnes pratiques pour le développement de la République démocratique du Congo. Pour ces cadres de l'IDPS, sans la promotion des valeurs positives dans la société congolaise, le pays ne décollera pas, d'où la nécessité de formater l'homme congolais. Nous avons montré que dans l'assurance qualité, les bonnes pratiques s'appliquent à toutes les activités humaines. Donc, pour ceux qui produisent, ils vont utiliser les bonnes pratiques de production. Pour ceux qui gèrent, mais ils vont utiliser les bonnes pratiques de gestion. Donc, l'assurance qualité fait partie intégrante de la vie de tous les jours. Et c'est ça même que nous avons formulé aussi comme recommandation. Au secrétaire général de cette structure, Arli Toumbatiela, d'ajouter ceci. On a lancé la gratuité de la maternité. Pour que nous atteignions des bons résultats, il nous faut absolument un personnel qualifié. Sinon, ça ne sera pas une réussite. Les corps de l'élite scientifique de l'IDPS restent déterminés à relever les défis de développement en République démocratique du Congo. Accusé récemment de s'être livré à la pratique dite de prête-nom dans une affaire de marché dans la sous-traitance, un sujet chinois vient finalement de signer un accord avec ses associés. Regardez.
Cette rencontre, qui s'est déroulée au siège national de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, porte la signification d'un nouveau départ à l'amiable entre des associés chinois et congolais de la société Congo Engineering Contracting SAS, qui était en conflit dans une affaire avérée de prête-nom, qui par conséquent avait conduit les sujets chinois jusque dans la prison de Makala, où il a passé une dizaine de jours. Pour revenir autour de cette table, le sujet chinois, nommé Monsieur Fou, a été relaxé après paiement des amendes transactionnelles. Cette séance présidée par le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, a privilégié l'intérêt commercial des deux parties. En présence d'une commission de la FEC, des représentants de TFM et Qui s'en fout, deux sociétés principales qui ont accordé des marchés estimés à 60 millions de dollars américains, M. Fou a finalement accepté de signer conjointement un acte transactionnel pour mettre fin à ce litige et remettre les trois Congolais dans leurs droits tels que la loi sur la sous-traitance le prévoit, 51% de parts pour les autochtones et 49% pour les expatriés. Ce problème a été porté à l'attention de l'ASP qui, dans ses attributions, a le droit de remettre les pendules à l'heure. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous sommes venus assister comme témoins au rééquilibrage. L'homme qui gère la sous-traitance en RDC se dit s'aligner derrière la priorité ultime du chef de l'État, qui n'est autre que le peuple d'abord. Ces Congolais, qui jadis étaient des associés figurants, viennent aujourd'hui d'avoir 51% des parts dans une société qui a un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. C'est le combat du président de la République. C'est la matérialisation de sa vision, le peuple d'abord, qui est le contrat social du président de la République, chef de l'État et les Congolais. L'honorable Miguel pense que ceci devra servir d'exemple aux autres sociétés qui ont encore du mal à se conformer aux prescrits de la loi dans le secteur. Et ce communiqué, avant de boucler complètement ce journal, la Société nationale d'électricité SNEL-SA informe son aimable clientèle de certains quartiers de la Gombe que suite aux défauts survenus sur les câbles moyenne tension qui les alimentent, causés par les engins de construction ce samedi 16 septembre 2023, la fourniture de l'énergie électrique est momentanément interrompue. SNEL-SA rassure les clients concernés que ces équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte et leur présente ses excuses pour ces désagréments, indépendamment de sa bonne volonté. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Cabinda, dans la province du Olomami et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNT, l'actualité continue sur nos antennes, retrouvées à 23h, Mami France Zaina. Demain, 7h, Louisette Ntsakala Malassa, 20h, Anita Luamboa. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale et surtout, excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.